Salut les amis, alors petite vidéo de Jean-Luc Clause. Le joueur, il joue à Nantes, mais Paulo Longoria a formulé une offre de 11 millions d'euros. Et je pense, après ça, il va venir, parce qu'il demandait 11 millions, ils les ont eu. Je pense, courant fin de semaine, il est à Marseille. Croisons les doigts, les amis. Je vous fais montrer la vidéo. Jonathan Clause. Ah, excusez-moi. Biakou à Marseille, c'est un très bon buteur. Regardez-moi ses buts, formidable. C'est presque fait, les amis. Je souhaite que ça se fait pour avant la fin de la semaine prochaine. Parce que là, on est à plein milieu des matchs de préparation. Pour aider Milik. Ou pour aider Milik à évoluer encore.
Il descend très bas pour aussi prendre des ballons. Hein. Il donne vraiment un coup de main même à ses défenseurs. C'est ça que j'aime bien. Il descend bien. Il met des buts. Il est capable à jouer milieu droit. Oh, c'est vraiment un bon. Là, il est à la défense. Et là, on le recroche au milieu de terrain. Hein, c'est vraiment un bon joueur. Il a une bonne bande de vitesse aussi. C'est un bon passeur. Je suis encore un peu désolé, je bouge un peu avec je tiens la caméra, je tiens mon téléphone avec la main, c'est pas facile. Bientôt je vais avoir un triplé et ça va être bien plus facile pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. Et en mois de décembre, je vais avoir une caméra encore meilleure qualité. Et j'avais aussi vous remercier pour les pouces, pour les abonnés. Là où a dépassé les 40 abonnés, je suis très content. Il va avoir pas mal de sauces, il va continuer à se passer au mois de juillet. Normalement, je vais aller à Paris, là, regarder le Tour de France. Il y a pas mal de sauces. Là, il va avoir de la réclame. Attendez une seconde. On parle de lui dans pas mal de clubs. Alors, oh. Ah, ça, c'est pas ma chaîne à moi. Voilà. On va pas faire de la réclame pour d'autres youtubeurs. Voilà, alors. Abonnez-vous, partagez. Je suis encore désolé de ça bouge beaucoup. Mais normalement, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais avoir le criplé. Ça va plus bouger. Et ça va être encore mieux. Je vais essayer de vous faire une vidéo de footballeur tous les jours. Mais lui, j'ai été obligé de vous la faire montrer. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire montrer ce jour-là. Et ça y est, c'est arrivé. Il est vraiment bien co. Je crois lui et puis le gardien de but là, pour remplacer Mongonga, ces deux mecs là ils vont bien quoi arriver à Marseille. Moi aussi il y a des joueurs ils vont partir, des défenseurs, des milieux. Bon bah on verra bien les amis, pour les gens ils vont partir, pour les gens ils vont arriver. Normalement il y a 3 départs et 5 arrivées. En plus des 3 arrivées, ils sont déjà là. On parle encore d'un défenseur. On parle encore d'un milieu. Et puis lui, il a du buteur. Il y a pas mal de noms. Je ne vous donne pas les noms. Je vous les fais montrer par des vidéos. Et tous les jours, je vous dis le nom. Et bah, aujourd'hui, c'est lui. On verra demain. Bah, avec le mercato de l'OM, c'est riche de nouveaux joueurs. Il vient. Ça parle de coups, ça parle de buteurs, de milieu de terrain, de défenseurs, de gardiens de but. Alors c'est un super mercato. Ça a eu du mal à commencer, j'avoue, c'est vrai. Mais là, je pense au mois de juillet, fin juillet, début août, ça va vraiment accélérer le mercato. Ça va prendre de l'ampleur et ça, c'est très bien. Alors continuez à partager et puis abonnez-vous, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Et mettez-moi aussi un pouce. Voilà les amis, je vous dis à demain ou quand je fais pas de vidéo demain, pas de demain, il va faire 43 ici là. Ouais, 43, c'est la première fois que je vois ça. Ah, peut-être pas de vidéo demain, mais je risque d'être mort avec la chaleur. Mais peut-être mercredi,
Mercredi, il prévoit des gros orages. Peut-être je vais aussi vous faire une vidéo de l'orage. Voilà, j'ai plein d'idées, les amis, plein d'idées de vidéos. Sur ma chaîne, il n'y a pas seulement l'OM, il n'y a pas seulement le foot. Il y a aussi plein d'autres trucs. Salut les amis, et n'oubliez pas de vous abonner quand c'est pas fait.